Bonjour Janine, je venais chez toi. Bonjour mon beau, je pars faire le marché. Il y a un souci. Oui, j'ai un souci à propos de mon fils Stéphane. Je venais pour qu'ensemble avec ton mari et moi, nous trouvions une solution à son problème. Il a eu quoi? Mais ne joue pas à l'ignorance. Tu sais très bien que partout dans le quartier, on ne chante que du nom de mon fils. Par-ci, par-là, les coups de vol, les chèvres, les poulets, tout et consorts. J'ai débattu sur ce problème hier soir avec mon mari. Et... si tu es d'accord, je vais t'amener chez un marabout que mon mari m'a indiqué au quartier Koukaka. Mais et qui vous dit que ce marabout-là est efficace et qu'il peut traiter le cas de mon fils Stéphane? Mon mari m'a dit qu'il soigne tout. Même la kleptomanie? Si tu n'es pas d'accord, je m'en vais. Et non, il faut qu'on y aille. Bon, on prend rendez-vous pour quand? Le plus tôt serait le mieux. Ok. Demain matin, si tu veux. Ok. À quelle heure? 10h. Ok. Allons demain à 10h. Dans ce cas, je n'arrive plus chez toi. Oh. Je retourne chez moi. Ok. Ok, bon. Tu me laisses, salut. Merci. Bonjour. Bonjour. Où allez-vous? Nous allons chez le grand marabout général. Vous allez chez général? Oui. Vous avez un souci? Non. Non, grand, il n'y a pas un problème. Nous partons seulement lui rendre une visite de courtoisie. N'apprenez pas à jouer aux grimaces à un vieux singe. Je suis le grand notable de ce village. Ici, vous ne me dites rien. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. Oui, on a un problème. Nous partons chez le marabout parce que ma belle-sœur Janine m'a demandé d'y aller avec mon fils. Il venait de sortir de prison. Mais il a déjà volé toutes les chèvres au quartier, tous les poulets, tous les œufs, tous les cadavres.
Et on parle comme ça parce qu'on nous a dit qu'il travaille. Vous allez chez le marabout local? Chez... Général. Ah ouais, général. Je le connais bien, c'est un fils de ce village. Et on se ressemble même. C'est lequel parmi les deux? C'est celui-ci. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Stéphane. Ah, Stéphane. Si vous allez chez Général, vous pouvez continuer votre route. Ah, merci. Et dans cette contrée, c'est le meilleur des marabouts qui existe. Ok. Allez-y. Merci, grand notable. Allez-y. Cette nuit. Il s'appelle Stéphane. Et ça fait une semaine qu'il vient de sortir de prison. Il a volé toutes les bêtes de votre quartier. Et votre quartier est en parfaite insécurité. C'est fou. C'est vrai, général. Ici. Ici. Stéphane, là-bas. À genoux. Je dis à genoux. Mets-toi à genoux, Stéphane. Il fait quoi? Votre fils a été condamné par ses propres amis. Dans l'esprit du vol. Et pour sa délivrance, il vous faut 30 575 francs CFA. Et si vous l'avez? Si vous les avez. Et si j'ai 20 000, général? Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Hein. Je donne le prêt et puis il y a d'autres personnes qui arrivent pour me rencontrer là. Vous voulez. Mettez cet argent dans ce panier. C'est pour les esprits. Allô?
me voir, oui. Hein. Les jobs ni. Mais nous, le même seble, ouais. Et vous laissez mes gars, vraiment. Je me dis, il y en a. Il te dit, il te dit, il Il vous bat, il est nul, il est nul, il est nul. Il vous bat, il est nul. Mettez-moi le jarret. À moi, il est un bon joueur. Mine, mine, gars, vous m'angoulez ici. Assurez-moi, va et dominez, à nul les bouts, baissez. Et tu te rends, mettez et à les maman, Donc tu quoi dit, mais tu dois quoi à Babele, nous les manquons longue longue, mon père longue longue les ma messe, ma mal ah, ma mal, ma mal, mais tu m'en vas, et tu te réveilles même. Qui est le père? Salut général. Moi grand général. À partir de cet instant précis, je vous précise avec exactitude que l'esprit du vol. Dieu soit loué. Et maintenant, nous allons fermer les yeux pour remercier les ancêtres de ce grand travail que nous venons d'abattre. Hey! Oh! M'bon, Dodge, mettez mes voix pour moi. Assurez mes voix m'angoulissez. Assurez ma maman. Et papa, mes sissim, papa, dis Et domine, aïeul. Assurez mon commissaire. Domine, mes tchara, domine, mes sila. Assurez, et domine, vous m'angoulissez. Domine, tu dois voir, dis. Adoda, et adole mboran, tu vois, c'est. Un petit timbap. Au courrier agnol, il dit terrible. Le bal est le corbeau. Même le seul ouais. Nous le même seul ouais. Mine mine, quand même, il y a une maman de bobby ici. Agnol, il va te dire, il va te dire. Titoran. Domne Yanni. Il est moi. Monsieur. Votre fils est enfin libéré. Merci grand général, merci. Merci général. Vraiment. Mon fils Stéphane. Général, merci. Ça va. Vous savez, quand vous venez chez moi, vous avez toujours la solution la plus adéquate. Y a ok, pas de... ok, ça, ok. Je sais, général. Bon, ok. Pour moi, grand général. Mère à vous. C'est quoi qui sont dans ta poche, Stéphane? C'est le téléphone, papa. C'est le téléphone de qui? Du grand Marbou, le général. Hey, quoi? Stéphane! Hey, mon Dieu, fais tant bourré. Ne me dis pas. Hey! Et tu es lui? Hey! Stéphane! Le téléphone du marabout. Hey!
rapidement appeler le pasteur. D'accord. S'il te plaît. Grand général, il n'y a pas deux marabouts ici au pays. Tu es un grand maître. Depuis que je prends tes remèdes, le mal que j'avais a complètement disparu. Je suis venu encore chercher d'autres. Je suis accompagné de mon fils que voici. Il s'appelle Fabien. Il veut le même produit. Madame, je ne travaille pas pour de l'argent, mais juste faire plaisir aux gens. D'ailleurs, je vais vous composer un produit plus efficace que le dernier, ainsi qu'à vos fils. D'accord, mon général. Soyez patient. Stéphane, il vole partout dans le quartier. Et on m'a dit qu'on tient la kleptomanie. Ma belle-sœur Jadine nous a amené chez un marabout. De là, il a soutiré le téléphone du marabout. Et le marabout a réapparu ici devant nous. Et voilà le résultat. Ah, je vois. Son âme est en pause. Hey! Le marabout l'a ensorcelé. Oh. Il a besoin de délivrance. Nous devons prier pour lui. Faites quelque chose, mon pasteur. Oui, l'Éternel écoute et exauce mes prières. Oui, mon pasteur, faites quelque chose. L'Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Seigneur, toi-même tu as dit que quiconque croit en toi sera sauvé. Seigneur, toi-même tu as dit que quiconque croit en toi sera délivré, Seigneur. Amen. Frappe ce marabout pour que l'âme de cet enfant revienne. Amen. Seigneur, frappe ce marabout pour que l'âme de cet enfant revienne. Asuna isamati yinamako. Ofa mangula asuna isamati ndenga yori asuna onkumkwanwa mo. Ubogomboy. Maman Maria, tout ce qui se passe dans la vie, ce n'est pas un problème. Hein? Quand vous arrivez chez le général, vous avez toujours votre solution. Le feu! Amen! Envoie le feu, Seigneur! Amen! Ce marabout est à l'aide de Dieu. Hein? Là, il veut, il doit le combattre. Comme les millions. Le bonbon boire. Et comme les. À soigner tes traits maintenant. Mathieu, on va m'engoulisser à Suina et Minga, maman Maria. À Suina, on va m'engoulisser. Ne me parle pas beaucoup. À Suina, me parle pas beaucoup, mon boy. Seigneur, toi-même tu as dit dans les saintes écritures que quiconque croit en toi sera sauvé, Seigneur.
En tout cas, je disais donc que Papa Marie, voici votre médicament. Il est franchement bon. Buvez. Encore. Rebois. Grand marabout, c'est quel genre de remède ça? Est-ce que t'es venu? Maman, mais grand marabout, ça veut dire quoi? Fabien, maman, grand marabout me dit quelque chose. Ne t'inquiète pas, fiston, c'est rien. Pourquoi c'est Vanille? Elle ne s'est pas évanouie, c'est le médicament. T'inquiète, je vais chercher d'autres produits. Et tu m'attends ici avec elle. Ne bougez pas. D'accord? Oui, grand marabout. Attendez-moi sur place. D'accord. Tu m'attends là sur place avec elle. D'accord, grand marabout. Maman, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de te lever. Je t'ordonne de te lever et de marcher, Stéphane. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, Stéphane. Stéphane, je t'ordonne de te lever, Stéphane. Merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Lui de donner à Marie le produit qu'il fallait. J'ai plutôt confondu le produit de Monsieur Téquin, le notable, que j'avais prévu pour son empoisonnement. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Toi, Stéphane! Lève-toi, Stéphane! Lève-toi, lève-toi, mon fils! Merci, mon Dieu! Merci mon Dieu! Merci mon Seigneur! Seigneur, tu es merveilleux! Merci Seigneur! Merci pasteur! Merci. Merci! Vous devez plutôt remercier le bon Dieu! Merci Seigneur! Merci pasteur! Merci! Allez, vous devez beaucoup prier pour lui ce soir! Oui pasteur! Seigneur! Ce que vous allez faire, c'est de l'amener à l'église! Pour que je le délivre! Oui, Dieu pasteur. Est capable de tout! Oui, pasteur. Il sera dit. C'est pas oui, pasteur. Merci, pasteur. Vous devez remercier le bon Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang.